Il a été sauvé par le chat. Ça fait plus Regardez, ah, salut. Ah, c'est nouveau costume, c'est la résurrection là. Et, c'est les, le Jésus jaune plus léger qui peut apprécier de lâcher une croix. Voilà, c'est le fait. Il peut y avoir des plaisirs tout simples, c'est de lâcher une croix. D'accord, c'est la vraie résurrection. Terrestre, disons, ouais. Bah, toujours, ouais, bah, j'ai même fait presque 250 km là pour venir et je fais l'aller-retour parce que j'étais en vacances, mais il y a un sujet qui me plaisait bien aujourd'hui, c'est, enfin me plaisait bien à contrer, c'est la pédocriminalité. Il va y avoir une manifestation pour ça au Trocadéro, je vous motive à y aller, pour parler enfin de certaines choses que j'ai entendues. Je pense pas que c'est vrai quand même, que des hommes politiques soient pédophiles, quoi. C'est pas possible. On parle de Jacques Lang, j'ai entendu un jour qu'un monsieur a dit, il a connu, qu'il a entendu sa femme dire à Jacques Lang quand il rentrait chez lui, ah non seulement t'es pédé, mais j'ai appris que t'es pédophile. Non, c'est pas possible. Et en plus, j'ai entendu aussi parler de Cohn Bendit qui avait fait une émission en direct qui a avoué dans toute la France qu'il était pédophile. C'est quoi, c'est pas possible ça quand même. Et qu'il aurait avoué ça parce qu'il avait pris un pétard juste avant. Donc il représente l'Europe, c'est ça? Ouais, d'accord. Bah c'est, à mon avis, c'est, ça doit pas être vrai. Enfin, faudrait aller faire des recherches. Comme son ami Polak, qui est décédé malheureusement, qui a écrit un livre. Il dirait qu'il aimait bien éjaculer sur des enfants de 10 ans. J'ai pas vérifié, mais je pense pas que ça soit vrai. Des gens quand même qui ont représenté la France et la culture. C'est quand même fou. Ou alors, respect quand même de la famille de François Mitterrand. Une personne de la famille de François Mitterrand qui a le lien, qui a écrit un livre aussi. Et je pense que dans son livre, ça doit être un roman, c'est pas vrai, dire qu'il adore aller en Thaïlande et qu'un enfant de 14 ans, c'est trop vieux pour lui. Non. Non, moi je suis pas d'accord. J'espère que c'est faux. Ou alors il faut faire des recherches. Dans ce cas-là, je dis, nous, on paye, je mets plus de gilet jaune, moi je vais plutôt dire aux gens de mettre un gilet doré. Hein, c'est comme les ceintures de karaté, on va évoluer un peu. Donc là, ils ont fait une loi, on n'a pas le droit de mettre des gilets jaunes, on prend des amendes de 135 euros. Un pédophile n'a aucune amende, lui. Donc c'est peut-être bizarre. Et aussi le masque. Moi, j'ai mis le masque, je l'ai mis sur mon skate parce que c'est lui qui en a besoin de plus. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que plus vous allez mettre de masques, plus vous avez des risques d'attraper des maladies. Parce que, en fait, le fait de mettre le masque, ça attire ça attire davantage, disons, la maladie et les virus. Au centimètre carré, on a 3000, je ne sais plus, virus, etc. Le soi-disant de mettre un masque, mais s'il était pur, s'il était comme dans les hôpitaux, ça serait parfait, mais on n'a pas ça. Mais de prendre toujours le même masque, etc., ça attire des microbes et on va attraper en fait des maladies grâce à ça. Donc le confinement va être créé
avec les masques que l'on porte, vous allez voir, il va y avoir des, il commence à y en avoir des maladies, des gens qui tombent, qui sont en voiture, qui mettent un masque, ils tombent dans les pommes, ils vont dans un arbre, etc. Et en fait, tout ça, c'est une histoire de stock. Ah, il y a des stocks, c'est-à-dire, ils n'avaient pas, tant qu'ils n'avaient pas les stocks, ben, on n'avait pas d'amende. C'est-à-dire, au moment où on en a vraiment besoin, au moment où ils cassaient carrément le docteur Raoult qui avait la solution avec la chloroquine, tous ces experts qui ont été payés pour le casser, puisque ce que j'ai dit à République il y a déjà 6 mois, c'est que le but, c'est de nous vendre un vaccin avec une puce, hein, pour pouvoir par la suite nous numéroter. On aura un petit appareil photo, alors espace d'un mètre, parce que sinon ça fait des interférences. Il y a un appareil photo, quand on aura ce qu'ils veulent dans l'absolu. Il y aura une puce donc dans notre corps à cause de ce vaccin et on sera numéroté, il n'y aura plus besoin de pièce d'identité, on saura tout de suite qui et quoi. Le problème c'est qu'ils vont nous forcer à la faire et je pense que les gilets jaunes ou d'autres, il va falloir qu'on fasse une révolution et de leur faire comprendre que c'est un gros business. Hein, il ne faut pas être bête, ils en vendent des milliards par jour. Des milliards par jour, en plus c'est jetable, ils ont trouvé le produit le plus parfait de faire croire qu'il y a un virus. Ils vont nous dire, oui, il y a 130 morts, mais ils ne vont pas nous parler des autres morts qu'il y a, d'autres maladies, à cause de la cigarette qu'ils nous vendent en vente libre, où ils montrent bien sur les paquets tous les dégâts que ça fait. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas aux dégâts de l'alcool qui est vendu en vente libre depuis des années, qui est très rentable pour les pharmacies et les hôpitaux. Donc, il faut que les gens se réveillent. Moi, je mange bio, je bois pas, je fume pas, bah, je crois que... J'ai fait des prises de sang, j'ai un sang d'enfant. C'est pas rentable d'être en forme, d'être sain de nos jours. Donc le masque va tout faire pour rendre malade. Donc étudiez ça, vous verrez que c'est pas des bêtises. Et même les personnes ici, assez intello, même Rémi m'a envoyé des articles qui expliquent bien cela. Faites attention. À cause du masque, vous allez avoir des maladies. On ne peut pas respirer sa propre air sans arrêt. En plus, on respire mal à Paris. Alors, prenez de l'air. Et allez dans les endroits nature, etc. Les derniers endroits de la nature qui nous restent. Moi, j'ai besoin d'aller au bord de la mer, de prendre de l'iode, de respirer. Je vais à Fontainebleau pour respirer des arbres qui envoient de l'oxygène. Mais si on respire sa propre air et l'air pollué de Paris, ben, on est fini. Donc... sortez de tout ça. Il y a Priscilla. C'est statique. Ah, ça ira. Le Macron à la lanterne. Ah, ça ira. Le Macron, on le pendra. On le pendra par les pieds. On le pendra par les pieds. Ah, ça ira. Le Macron à la lanterne. Ah, ça ira. Le Macron, on le pendra. Comme Mussolini à Milano. Par les pieds. Ah, ça ira. Le Macron à la lanterne. Ah, ça ira. Le Macron, on le pendra. On est dans la merde, enfant. Ça rassemble. Ouais, ça rassemble. Elle, c'est la première meuf. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ah ouais, elle dort là. Ah voilà. T'as l'air magnifique, Tamar. Oui. Je gagne 1200 euros par mois, que je suis obligée de travailler à côté pour gagner plus. Parce que 1200 euros à la fin du mois, bah, il reste pas grand chose. Et que je suis obligée même également de vivre avec ma maman pour vivre correctement. Parce qu'également, elle gagne pas assez, elle est aide-soignante, elle travaille de nuit. Elle gagne
un peu plus que le SMIC, mais pas trop. Donc en région parisienne, gagner un SMIC, c'est compliqué. Et qu'on est obligé de vivre avec l'une et l'autre pour pouvoir vivre convenablement. Donc pour ça que je soutiens la Gilets jaunes et que la hausse du SMIC est importante également. Donc voilà, ouais, ma petite histoire. Gendarme doit d'avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique, de la tactique dans la pratique. Comme la montre dans Tic-Tac, le gendarme a sa tactique. Attendez, il a un peu plus de vous explique. La technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La technique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des coups. Thank you.